Je te souviens des fois, les ballons, là, ça revient complètement. Bonjour. Connectez-vous. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. My God is good. Il faut qu'elle fasse comme. Il veut faire comme notre coach. Elle se parfume. La coach, ça me plaît trop. Comment est-ce qu'on peut voir le parfum sur le direct? Un coach. Oh, vous sentez mon parfum là-bas? Vous sentez? Mmh. Oh non. La femme n'en est pas seule dans sa tête. Oh my God. Mmh. Bonjour à vous. Them say, make I tell you say. Who can battle with the Lord? Oh, no. Oh, He changes mind about me. Bon. Connectez-vous. Un message pour vous. Il faut que je formule ça exactement comme il m'a donné. Encore. You will come back with a new song to sing. God is good, oh, congratulations, you won't come back with a new song to sing. Okay. On a connecté vous. Bon. Pardon, je dois attendre encore un peu. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. They will come back with a new song to sing. God is good. Congratulations. Partagez pour qu'on soit un peu plus nombreux. Vous devez absolument suivre les instructions qui vous sont données. Très important.
Non, c'est congratulations qui est dans mon esprit. C'est venu seul. Je n'ai pas suivi ça ce matin. Tu sais que quand tu as une chanson dans ton esprit, parfois Dieu te guérit avec les chansons. Tu restes comme ça là. Bonjour le roi Hervé. Tu restes comme ça là. Tu es bizarre, tu te sens mal. Après, il met une chanson dans ton esprit, ça saute comme ça, boum. Si tu as le téléphone à ta portée, il faut mettre ça, tu chantes. Même si tu n'as pas le téléphone, il faut ouvrir ta bouche, tu chantes. Parfois, cette chanson-là, c'est ton hymne de guérison. God say, make a tell you say, now you didn't choose 1 week, 1 month. You will sing a new song. Today is a lesson. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. You will come back with a new song to sing. My God is good. Oh. You will come back with a new song to sing. God is good. Oh. Connectez-vous. Bon. Oh, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Bon, je vais pas. Ceci va sortir comme ça sort. Ils vont seulement parler parce que. Je pense qu'il y a des gens là-dehors qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Et ça va vous guérir. Ça va vous donner la direction. Ça va vous guérir. Surtout, ça va vous guérir. Ok. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Jéhovah Shalom. Tu es le Dieu de paix. Jéhovah Nissi, c'est toi qui combats pour nous. Même quand nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, tu combats. Je te confie chaque personne qui écoute, chaque personne qui me regarde. Père, je demande ta main puissante sur eux. J'enlève la tristesse. J'enlève la tristesse. Tout esprit de distraction. J'enlève la lourdeur. Et Seigneur, je demande que tu souffles un vent nouveau sur eux. Que leurs projets puissent être poussés jusqu'à accomplissement des projets. Je vous délivre de tout esprit de découragement. Au nom de Jésus, j'ouvre vos oreilles. Amen. Vous savez, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu auras les petits challenges. Tant que tu ne commences pas à te battre, tu auras les petits challenges. Tant que tu ne... Tu vois quand tu dormais sur le canapé de ta cousine là. Tu avais les petits problèmes. Ton corps ne te dérangeait pas. Ton pied ne faisait pas mal. Tu ne payais pas... Non. Tu n'avais... Parce que tu étais dans un petit chiffre d'affaires. Tu étais dans une petite situation, on te regardait, on se moquait même de toi. Tant que ta vie était toujours bloquée là, depuis les années que tu as fait en Bengla, tu n'avais pas les papiers, non. Tu n'avais pas prévu d'aller aider un orphelinat quelque part, non. Il n'y avait aucune vie quelque part sur la terre qui était touchée, impactée à cause de toi. L'ennemi te laissait tranquille. Enfin, tu pensais que tu avais les problèmes, mais tu n'avais pas les problèmes. Tu avais seulement les faux problèmes, genre... Ouais, je vais manger quoi? Oui, il y a la fête, le mariage de ma cousine samedi. J'ai envie de porter tel habit. C'était ça tes problèmes. Hein? Commence maintenant. Ah, ok, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Régulièrement, tu as au moins ce... Par mois, tu as au moins 10 personnes qui comptent sur toi. Par mois. Tu as commencé à avoir les projets que... Wow, je viens en décembre pour construire une, pour faire la fondation de l'orphelinat. Que wow, je vais venir arranger l'église. Wow, écoutez, dans la Bible,
Il y a le centenier là qui a envoyé, qu'on guérit son, je ne sais pas si c'est son fils ou bien son, un de ses officiers. Les hommes du village ont témoigné que l'homme, si c'est un bon mari, papa, je sais pas, c'est une bonne personne. Il a construit les églises dans notre village. Vous avez commencé à voir les gros projets. Bonjour, la reine Marie. Vous avez commencé à programmer comment vous allez partir dans votre village, creuser le forage pour que ça aide les gens. Ah, vous voyez, les forces du mal sont en train de travailler jour et nuit pour détruire, tuer les gens, voler. Toi, tu commences à concevoir comment tu as fait les campagnes. On va venir dans les villages avec les docteurs pour soigner les enfants. Tu programmes déjà comment tu vas construire l'hôpital dans ton village où il y a trop les mortalités infantiles. Dieu connaît vos projets. Seigneur, je sème ceci pour que demain tu me permettes de faire ça. Mais Seigneur, tu as déjà commencé à semer pour les grands projets que tu vas faire en 2024 pour aider les gens. Et tu as déjà commencé là, 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 chaque mois. Il te dit que chaque mois, il y a au moins 10 orphelins qui mangent sur ta tête. Que tu restes comme ça, là, tu envoies 20 000, 50 000. Je ne sais pas comment. Deux fois par mois, tu envoies 25 000. Je fais le direct, c'est pour te prévenir. Tu as compris, non? Tu commences à devenir une menace réelle pour le royaume des ténèbres. Tu me suis. Avant de te lever, tu manges. En une semaine, tu t'occupes de ta petite tête. Tu fais trop, tu t'occupes de tes enfants. Bonjour, la reine Armelle. Tu pars dans les hôpitaux, tu fais les dons de lits, tu fais les dons des appareils. Tu es là comme ça en bain, tu as déjà commencé à voir comment tu vas vous contacter. Deux, trois hôpitaux pour que quand ils renouvellent leur équipement, ils te donnent, tu mets dans le conteneur, tu envoies en Afrique pour aider les gens. Les projets que dangereux pour les royaumes des ténèbres que tu es en train de concevoir dans ta tête là. Parce que regardez, l'ennemi aime. Le diable ne va pas te déranger tant que tu es à l'église, tu es là, tu dis Seigneur Jésus, Seigneur, prends-moi. Je veux le mariage, Seigneur. Je veux la voiture, Seigneur. Je veux l'enfant, Seigneur. Ça ne le dérange pas. It doesn't disturb him. Parce que c'est ta petite personne. Maintenant, te voilà, tu as commencé à faire les salakas. Chaque jour, tu nourris au moins trois personnes. Et je vous dis toujours, ne simplifiez pas. Même si c'est 500 que tu donnes par jour à quelqu'un. Il y a un fou dans ton quartier qui sait que chaque jour, il va manger son pain chargé de 500 sur ta tête. Ma chérie, tu es déjà une cible un peu plus élevée pour le royaume des ténèbres. Donc, le Seigneur m'a demandé ce matin de te dire que tu dois te préparer parce que la façon dont tu avais la victoire sur tes batailles avant, ça doit changer. Tu me suis? Je vais vous prendre l'histoire de Job. Ça, c'est une prédication totalement improvisée. Jesus. Je sais pas ce que je vous dis dans 3 minutes. Monsieur assis ici, j'ai fait 20 minutes, je voulais écrire mon message. Il me dit jamais. Je vais écrire, il dit que jamais. Dis ce que je vais te dire. Bon, on va lire Job. De toutes les façons, je suis qu'une employée. Le patron me dit de vous lire Job. Lisons Job. Ok. Donc, Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Hervé? As-tu remarqué ma servante Vanessa? Bonjour, 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 les rois et les reines.
Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Le diable va vouloir s'attaquer à ce qui est précieux dans votre vie. Un jour, je me rappelle, quand je commençais encore à faire les délivrances à distance, j'étais encore au début, c'était en 2020. Il y a cet homme très... son village, il était d'un village quelque part là-bas, Yaoundé. Je ne veux pas dire le village, juste pour qu'il ne se reconnaisse pas. Donc, c'était le genre de simpleton là. Tu vois, le genre de jeune homme que... On dit là, c'est pas le sel, il dit « Ah !» Fait telle chose, il dit « Ah !» Prie, « Ah !» Jeune, « Ah !» Très talentueux. Il avait une page Facebook où il faisait beaucoup de directs et il sensibilisait beaucoup. Quand il y a quelqu'un qui est malade, peut-être quelque part, il va faire des trucs, il va faire du fundraising. Donc, il va collecter les fonds pour aider la personne. Mais c'était quelqu'un de très, trop simple même. Donc, il est donc arrivé dans le ministère, dans mon ministère, parce qu'on faisait les choses en ligne. Une minute. Bon, j'ai terminé. J'ai donc commencé à prier pour lui. On devait faire, je devais faire un petit rituel de délivrance. J'ai prié pour le monsieur, j'ai fait deux, trois trucs à distance. Instantanément, il a été délivré. C'est quelqu'un que quand le Seigneur parlait à travers lui, il voyait les apparitions de Jésus la nuit. Ça, c'est après cela. Donc, à l'instant, quand je finis de prier pour lui, il me remercie. Il dit, voilà, il se sent mieux. Immédiatement, donc 5 minutes plus tard, j'ai eu la moitié de mon corps qui était paralysé. Donc, voilà, je me couche sur le lit, je n'arrive plus à respirer. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-ci? C'est que les démons de quel village là-bas, il y a une des que je suis parti attaquer comme ça. Donc, immédiatement, ma fille, qui avait 10 ans à l'époque, je suis sur le lit, je suis paralysée. Et elle assistait toujours aux séances de prière. Elle vient donc, elle met la main sur moi et commence à prier. Maman, ma fille a parlé à Satan le jour-là. Satan enlève tes mains de ma mère. Elle prie 2 minutes plus tard. Paralysie pas. Donc, si on va regarder le transfert, c'est quitté de lui à moi, c'est quitté de moi maintenant. Dans ma fille sort du, elle dit que c'est quand je vivais au Carrefour Maçon. Là, je crois qu'hier je vous ai parlé de l'époque où je vivais au Carrefour Maçon. Donc, il va en bordure de route, et il fallait puiser l'eau. Quand on coupait l'eau, il fallait puiser l'eau, traverser la route pour puiser l'eau en face. Fait first là. Elle finit de prier pour moi, je vais bien, je me lève, elle sort pour aller puiser l'eau. Elle revient peut-être 5 minutes plus tard. Elle est tremblante. Elle pleure. Je dis, c'est quoi? Elle dit que la voiture a failli la... Donc, la voiture s'est arrêtée net devant elle. La voiture a failli la cogner. Elle n'a jamais eu un problème avec la voiture. Elle s'est très bien traversée la route. Je me suis rappelé cette histoire maintenant pour vous faire comprendre que
Il y a des degrés dans lesquels vous allez arriver. L'ennemi va vouloir attaquer vos enfants, votre progéniture, parce qu'il sait que s'il touche ta progéniture, il te touche directement. Il va vouloir attaquer ton mari. Tu vas voir que parfois tu es en train de servir Dieu. Pendant que tu sers Dieu, ta femme te trompe. Écoute, la femme là n'était pas dans son bon état mental. Il me suit. C'est quand tu commences à aider les orphelins que ton mari déconne. C'est quand tu décides que non, je vais partir faire telle chose. Oh, je vais aider, je vais prier. C'est là que ton mari va commencer à faire tous les grandes choses. La façon dont tu étais attaqué avant et la façon dont tu vas être attaqué maintenant là, ce sera un autre degré. It's going to be another level. Et c'est le genre de choses que ça entre dans tes os. Ça te touche. Tu me suis. Le diable connaît là où il peut toucher quelqu'un, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Tu t'es marié, la cérémonie de mariage était bien. Vous avez fait vos 5 enfants bien. Vous n'avez jamais eu de problème majeur dans votre mariage. Ok, tu as commencé déjà, non? Tu as commencé à prier pour les gens. Tu as commencé à prier pour que ta famille soit délivrée des malédictions générationnelles. Tu as demandé. Il y a maintenant les jeunes, il y a beaucoup de familles qui font les lavages en groupe. Donc, hier, par exemple, j'ai fait le lavage de 8 ou 9 personnes dans une famille. Donc, tous les enfants du père là. Le mois passé, j'ai lavé 21 personnes d'une famille. 21 personnes. Tu crois que la personne qui a payé pour le lavage là, tu crois qu'on t'a laissé comme ça, hein? Donc voilà, tu jeûnes, tu dis que le mercredi, c'est comme je jeûne pour la libération de ma famille. Je jeûne pour Dieu. Tu sais pas, tu choisis quelque chose qui ne te concerne pas seulement toi. Je te préviens seulement. Les attaques ne vont pas venir enlever ta bénédiction. Mais l'ennemi fait ça pour te distraire. Et si tu es vigilant pendant que tu es attaqué, parfois Dieu va t'envoyer un message le matin de l'attaque. Y a une situation qui m'a beaucoup affectée récemment. Et je ne vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un que tu me fais quelque chose à 5h, à 6h, j'ai oublié, je suis passé sur ça. Rien ne reste dans ma tête. Il dit toujours que personne ne paie le loyer dans ma tête. Mais le tout, c'est là. Je suis, il reste comme ça là. Quand ça se passe à 2h, à 8h, le Seigneur envoie un de ses serviteurs. Je suis couché comme ça là. Il vient s'asseoir. L'homme là a pris le jour là. 25 ou 30 minutes. Priez pour moi. Je ne connaissais pas encore les batailles qui arrivaient. Je ne connaissais pas. Priez pour moi. S'asseoir. Priez. Il prie. Après, il s'est dit que hey, ce n'est pas encore fini. Après, il dit que ah, peut-être qu'il va s'ennuyer. Peut-être qu'il va. Priez. Donc, c'est comme si on l'avait envoyé pour me guérir le jour-là. Priez. Priez. Après, il finit. Il était au boulot. Hein. Mais il a laissé son boulot qu'il devait faire. Après, il s'assoit, il prend la Bible, il prend les passages, il me cite. Je ne savais même pas, c'est plus tard que, une semaine après qu'il est sûr que c'est un pasteur. Je ne savais même pas que c'est un pasteur. Mais dans le service, là, Dieu m'a localisé à travers quelqu'un. Écoutez, vous devez comprendre que les dimensions sont en train de monter. Je me rappelle de Pasteur Chris. Les gens ont beaucoup parlé par quand il s'est séparé de sa femme. Ceux qui connaissent Pasteur Chris, Oyakhilome. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Je ne sais pas pourquoi l'onction qui a sur sa vie. Hein. Séparer toujours l'homme ou la femme de Dieu de sa vie privée. Quand il s'est séparé de sa femme, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais je sais seulement qu'ils se sont séparés. Et quand j'ai vu comment les médias parlaient de ça, en ligne, les gens parlaient de ça, et ça m'a compris que ça, ce sont les attaques du diable. L'ennemi va vouloir essayer de te toucher là où
Parce que c'est qui prend l'argent, tu t'en fous. Il sait qu'il pose ça, tu t'en fous. Il va vouloir te toucher là où c'est que ça, c'est like, that's the highest rank I can touch. Il s'est assis, il m'a donné des prophéties le jour-là. Et quand il parlait, hey, la présence de Dieu, chaque parole qui sortait de la bouche de l'homme-là, c'est comme si ça touchait seulement que chaque partie de mon corps. Il ne me touchait pas. Mais quand il parlait, après il sort, j'ai dit que Seigneur, what have I done? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu envoies un de tes serviteurs? Parce que je ne savais pas qui cet homme était, mais je savais que dans le monde spirituel, cet homme-là, c'est quelqu'un de haut placé. Et les paroles qu'il m'a données, je ne savais pas que ces paroles-là allaient m'aider pour les 3 à 4 prochaines semaines. Parce que les attaques qui sont venues sur moi, dans ma tête là. Ah! Tu te lèves le matin. I'm up, I'm down. I'm up, I'm down. Like, tu vois les mood swings. Après, tu restes même prier, même tu n'arrives pas à prier. Tu es comme ça là. Écoutez, vous êtes en train de changer de niveau. Vous êtes en train de changer de dimension. Je ne vais même pas faire du reste sur TikTok parce que TikTok, c'est encore les enfants. Donc, ce que j'ai à dire là, c'est pour les mûrs. Si tu n'es pas mûr, tu vas pas comprendre. Toute dimension dans laquelle tu es en train d'entrer là, ça a une autre qualité d'attaque. Maintenant, tu dois t'équiper. Et la première chose, c'est que tu ne te battras pas comme tu te battais avant. Tu me suis. Tu ne te battras pas comme tu te battais avant. La deuxième chose, tu vas devoir suivre l'Esprit Saint pas à pas. Romains chapitre 8, verset 14. Le pasteur Chris, c'est quelqu'un que depuis des années, il a toujours. C'est un enseignant, il enseigne beaucoup. Il a des enseignements que moi, personnellement, ça a changé ma vie. Je me rappelle en 2018, ça c'est l'année vraiment où j'ai beaucoup absorbé ces enseignements. Et ça m'a aidé à traverser des périodes très difficiles. Maintenant, vous devez savoir reconnaître les saisons de votre vie. Parce que ce qui t'a aidé à traverser une période difficile. En 2020, en 2022, ça ne sera pas la même chose. Donc, Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Seigneur compte sur ta confiance. Quand Job a été attaqué, on lui a tout pris. Imagine, tu as 7 enfants. 7. Les 7 meurent dans l'espace d'une journée ou d'une semaine. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait laissé sa femme. Je crois que peut-être Dieu savait que okay, c'est la femme que, pour qu'il ait encore d'autres enfants, il faut que ça parte dans le ventre de la femme. Donc Dieu a laissé la femme. Pas un, pas deux, pas trois enfants, pas quatre, pas cinq. 7. Donc même pour pleurer, il n'y a pas l'espace. Tu vas pleurer papi, pitou, bébé, tu vas faire comment? Et je sais que la Bible n'en parle pas physique, enfin, il n'en parle pas de façon claire, mais je suis convaincu que dans le temps où il était à terre, dans le monde spirituel, il y avait une bataille qui se passait. The spirit realm. Beaucoup d'entre vous, c'est dans vos moments, dans ces moments que vous traversez, que vous allez comprendre que ce n'est pas par votre force. It's not by your strength. Peut-être un matin sur deux, tu te lèves, tu es joyeuse. Congratulations, you're in the glory of God. Demain, tu es sur le lit, tu te réveilles à 9h, 10h. On vient m'ouvrir les rideaux, tu ne veux pas. Oh. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Il y a une bataille qui se passe. Il y a ce spiritual battle.
Quand ça m'arrive souvent, il reste comme ça, là, je suis couché. Peut-être vous pensez que ça m'aide. Je suis couché, je suis là, je suis là. Il est couché dans les conversations dans ma tête. Mais lève-toi, non. Tu sais que tu es censé faire ça, non. Fais. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne te lèves pas? Vous avez une bataille qui se passe. Parfois, tu as même quelque chose qui est à côté là-bas. Tu vois, même pour éteindre la lumière. Tu vois l'interrupteur là-bas. 30 minutes plus tard, tu regardes l'interrupteur encore. 45 minutes plus tard, tu regardes l'interrupteur. Quand vous traversez cela, ce que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur, premièrement, il a déjà prévu ce qui va vous protéger en avance. Il a mis les airbags. Il a mis le airbag. Le airbag, c'est la protection que tu as dans la voiture qui te fait comprendre que même si tu, if you hit something, ok, si tu cognes quelque chose, il y aura une mousse qui va sortir pour te protéger. Donc, quand tu commences à intensément, sérieusement te donner dans l'affaire de servir Dieu-ci, tu fais l'aumône ici tel jour, tu pries pour telle personne tel jour. Je vous dis toujours, je vous ai lu Galates l'autre jour, Galates chapitre 6. Ne soyez pas, ne vous trompez pas. Tout ce que vous semez, vous allez récolter. Galates 6, verset 6, celui qui enseigne, voilà, que celui à qui on enseigne, non, c'est pas celui-là, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, tu ne sais pas que toutes les années où tu as semé des choses, Dieu te préparait les airbags. Et ces airbags-là, je suis là pour te dire ça pour que tu comprennes. Même si tu es couché là maintenant, tu m'écoutes à peine. Tu me comprends? Oui, oui. Même si tu es couché et ta chair est atteinte, tu me suis. Le Seigneur va te lever de ce lit-là. Il va te soulever de là. Tu es dans un moment où ce que j'entends, c'est que tu es dans la dernière ligne droite. Parce qu'après ça, quand Job s'est levé de là, la Bible n'a plus, on a seulement dit qu'il a vécu heureux et il a eu beaucoup d'enfants. Parfois, il y en a parmi vous qui vous êtes en train de faire le combat, le dernier combat de votre vie. Tu as 35 ans, mais tu as peut-être fait ton dernier combat. Après là, ce sera seulement bonheur, 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 bonheur. Mais quand tu es en train de traverser ça, c'est comme si c'est la fin du monde. Je dis bien, ça touche ta chair. Donc, je suis là pour te dire que la bataille a été vaincue. Tes airbags sont déjà activés pour te protéger. Même si ta chair ne répond pas comme tu veux maintenant, laisse seulement le temps. Il y a les prières que tu as faites. Oh Seigneur, je veux ça. Dans votre lignée, vous n'étiez pas, tu n'étais pas censé te marier. Tu n'étais pas censé. Tu n'es plus censé avoir d'enfant. Maintenant, le Seigneur est en train d'enlever, parce qu'il y a des choses qui étaient implantées dans votre corps. La qualité qu'est, tout homme qui va venir va partir. Maintenant, Dieu te met à terre et il t'amène quelqu'un que dans ton tout que tu as à terre là, c'est là que tu découvres vraiment que la personne, si c'est ma personne que Dieu a envoyée. C'est là que toutes ces peurs sortent. Donc, quand tu traverses les douleurs, ce n'est pas forcément négatif. C'est vrai que ça fait mal, personne n'aime la douleur. Je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas.
Et n'aime pas, moi qu'on me pique, ne me piquez pas, laissez-moi. Moi quand on retire le sparadrap sur ma peau, je ne veux pas, je n'aime pas la douleur. Mais il y a certaines douleurs que parfois quand on les envoie sur toi, quand ça vient, c'est ton dernier tournant. Traverse. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la douleur, tu ne manqueras pas. Il me fait reposer. Quand il me dit, il me fait, un jour je méditais sur ce passage, j'ai compris que tu ne sais même pas que c'est Dieu qui te fait, il te fait faire les choses. Je crois que ça va aussi vous aider avec la culpabilité. Parce que parfois, il y a des événements qui se passent, tu dis, ah, si j'avais fait autrement, peut-être qu'elle serait encore en vie. Si j'avais fait autrement, peut-être que ma mère ne serait pas morte. Si je l'avais amenée à l'hôpital à temps. Ouais, si j'avais... Écoute bien. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Même si tu faisais ce que tu dis que tu devais faire là. Tu pouvais faire. Vous arrivez encore devant, la voiture vous cogne même. Elle meurt toujours. Donc, tu pouvais sauver la personne à ce niveau-là. Devant, il y a un truc qui se passe. Ça revient toujours au même verdict. Donc, tu as fait de ton mieux pour la sauver. Ou bien le sauver. Il y a des... Quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qui te font faire. Je ne sais pas comment on peut dire. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Parfois, tu fais un truc, tu ne sais même pas que c'est même pas toi qui fais. Mais c'est Dieu qui te pousse. Il y a un ange qui est à côté, il te pousse, c'est bon, tu n'as pas fait. Tu as compris? Tu as compris? Donc, arrête de culpabiliser. Tu n'aurais pas pu changer les choses. Tu n'aurais pas pu changer les choses. Enlève la culpabilité de ton cœur. La prochaine fois que la pensée là va venir pour jouer, tu dis non, pas aujourd'hui, pas moi. Parce que quand ça fait ça, ça prend toute ta chair, tu te sens mal. Après, tu veux essayer de partir, changer encore, tu dis que tu repars dans tes pensées. On ne change pas le réel avec les pensées. Ouh! Et c'est pire encore quand tu dois annoncer aux gens. Voilà, ma mère est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il fallait me dire, moi je connais un bon médecin qui pouvait la soigner. Écoute-moi bien. Même le bon médecin là ne pouvait pas. Tu as compris? Arrête de culpabiliser. Parce que quand là, tu vas finir par parler avec la personne là, après l'ennemi, tu es voilà dans ta voiture, tu rentres. L'ennemi met dans tes oreilles. Tu vois, je t'avais dit non. Je t'avais dit que quelqu'un pouvait faire quelque chose. Tu vois? Tu n'as pas bien géré la situation. Te voilà, tu commences à te sentir mal. Tu commences à te sentir mal. Bonjour Franceline. Batim, bonjour. Le but de l'ennemi, c'est de te faire douter de toi. On ne change pas le passé dans les pensées. On ne change pas le futur dans les pensées. On vit seulement. Bonjour, ma fille Michel. Ma fille s'appelle Michel. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Je viens vous dire que ce qui est arrivé de bien, ce qui est arrivé de mal, tu as été dirigé, tu as été conduite. Maintenant, tu dois demander maintenant, Seigneur, comme tu m'avais conduit là-bas, montre-moi un peu. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Parce que le Seigneur aime ça. Il aime prendre les situations désespérées pour en tirer sa gloire. Il aime prendre les situations qui sont... Et là, il flippe ça. Seigneur, comment c'est possible? Tout ça, demande à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Ouais, si j'étais rentrée plus tôt, si j'avais décroché. Ma mère est morte en 2007. Et elle est morte le lendemain de mon anniversaire.
Donc ma mère, c'était, je crois que c'est parce que, c'est peut-être parce que c'est elle qui m'avait accouché. Elle m'a accouché quand elle avait 18 ans. Et peu importe l'endroit de la terre où je me trouvais, ma mère ne ratait jamais un de mes anniversaires. Donc, cette année-là, mon anniversaire est passé, mais j'étais en train de fêter avec des amis. Ce qui fait que je me suis dit, je vais appeler maman le lendemain. Et je ne veux pas vous mentir, je me souviens encore très bien. Quelque chose dans mon esprit me disait, appelle maman. Appelle-la. Appelle-la. Je me disais, ok, prends pour marché, prends pour restaurant, prends pas ceci, faisons d'abord ça. J'étais en Angleterre le temps-là. Ça faisait un an que j'étais en Europe. Dans la période, là, j'étais allée en vacances en Angleterre. Le lendemain encore, je me lève le matin. Quelque chose me dit, appelle ta mère. On part au marché, on est parti au son des maquettes, on est parti. À 16h, mon oncle m'appelle. Il m'appelle encore de l'heure. Et je me rappelle, j'étais en route, je marchais avec mon copain de l'époque. Et je crois que quand même que la famille doit être un peu plus... Ils doivent quand même annoncer les nouvelles là un peu différemment aux gens. Il m'appelle seulement, il dit, ta mère est morte. J'étais en route, j'ai failli m'effondrer comme ça en route. Et j'ai commencé à pleurer, voilà. Et je me rappelle plus tard quand je suis restée. Bon, j'ai guéri de ça après. Il y avait des moments où je restais comme ça, je me disais, ah, si j'avais appelé aussi maman. Si je l'avais appelé. Oui, je crois que le Sunday Market. J'étais à Birmingham, non. En Angleterre, le Sunday Market, non. Et bonjour petit oiseau, ça va? Il y a un petit oiseau sur mon balcon, regardez-le, le voilà. Oh, il est parti. Petit oiseau, tu es parti, pourquoi? Bon. Si je l'appelais, ça n'allait pas faire qu'elle ne meure pas. Mais l'ennemi va utiliser ça dans ta tête, te dire, tu n'es pas une bonne fille. Tu n'es pas, tu n'as pas, tu ne... Je sais pas quoi. Mais sachez que l'ennemi va toujours utiliser ces choses-là dans votre esprit. Et il va utiliser pour chacun, ça diffère, hein? Chacun a sa part. Peut-être pour toi, c'est ton père. Peut-être pour toi, c'est ton... un de tes enfants qui est décédé, tu te dis tout que ouais, si j'avais fait comme ça, l'enfant là ne serait pas mort. Ou bien peut-être si j'avais pas fait comme ça là, je n'aurais pas, le jour là, l'enfant ne serait pas sorti de moi. Peut-être tu as une fausse couche. Et le jour là, tu es parti quelque part, on t'a, je sais pas. On a dit, madame, ne marchez pas beaucoup, tu as marché beaucoup, tu as marché, tu arrives à la maison, voilà, le sang commence à sortir, l'enfant sort. Hmm? Je ne sais pas ce bonjour, Laure. Je ne sais pas ce que l'ennemi va utiliser contre toi. Mais quand il va venir, il ne sera pas. He's gonna hit you hard. Il ne sera pas gentil avec toi. He's gonna hit you hard. Fais l'effort de le faire. Tu peux aussi avoir des moments où tu ne le fais encore pas. Hein? Parce que je veux que vous compreniez que il y a parfois des choses qui doivent se passer. C'est vrai que les gens vont se dire, je sais Dieu. Tu peux avoir un médecin, son enfant meurt. Un médecin. Ton enfant meurt. Tu dis, mais docteur, tu es docteur, non? Comment ton enfant peut mourir? Parce qu'il y a des choses que... Je ne sais pas qu'il y avait quel film. Il y a un film que j'ai vu comme ça. Là-dedans, il y avait un homme qui essayait de changer le cours du temps. Mais à chaque fois qu'il changeait, devant, il y a la chose se passait encore. Donc, il vient modifier, non? Peut-être telle chose, telle, le camion se devient cogner la fille si à 8 heures. Elle allait mourir à 8 heures. Il vient à 8 heures, il empêche que ça se passe. À 12 heures. La fille meurt. Après, il dit encore que non, permettez-moi de partir dans le passé. Il repart encore. Il la sauve à 8 heures. Après, il la sauve à 12 heures. À 15 heures, elle meurt. Je ne sais pas, j'ai vu un film comme ça. Je suis sûr que j'ai vu un film qui faisait ça. Et le Seigneur m'a montré en fait qu'il y a des... C'est dans une échelle plus grande. C'est dans une sphère plus grande.
Le spirituel ne peut pas être expliqué seulement avec les paroles du physique. Et je sais que quand tu réfléchis, comme tout le monde là, tu vas te dire, ok, ça veut dire que ma mère était censée mourir. Ça veut dire que non. Mais j'ai compris que quand Dieu va sauver quelqu'un, supposons peut-être ton enfant qui est mort. Il y a les gens qui accouchent, il y a les folles qui accouchent, si l'enfant ne meurt pas, non. C'est une folle. Elle accouche dans la poubelle. Il y a les gens ici dans ton quartier qui ont moins d'argent que toi. Elle n'amène pas sa mère à l'hôpital. Elle achète seulement les remèdes au quartier, là, les indigènes qu'on donne là. Sa mère boit. Et sa mère a déjà 95 ans. Toi, tu as amené ta mère en Europe, tu as fait les opérations, tu as payé les bas 50 000 $, on a fait des choses sur elle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et maintenant, quand ta mère meurt, ton fils meurt, je ne sais pas. Cet événement, en fait, je suis arrivé au moment où je remercie la douleur. Parce que les personnes qui ont traversé la douleur et les personnes qui n'en ont jamais traversé, surtout les douleurs très intenses, elles sont différentes. Tu vas voir quelqu'un va te dire, j'ai construit ça, cette fondation-ci. Cette orphelinat est née parce que j'ai eu telle douleur à tel moment. J'ai perdu peut-être telle ma mère, j'ai perdu, ou bien moi-même j'ai grandi. Donc les grandes douleurs, quand on les canalise bien et on laisse le Seigneur nous enseigner, Seigneur, à travers cette douleur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Tu vas voir que c'est toujours pour le bien de beaucoup de personnes. Toujours pour le bien de beaucoup de personnes. Quand quelque chose de mal vous arrive, ne laissez jamais cette douleur partir comme ça. Cherche toujours quelque chose. C'est comme un hôtel. Voilà, on me donne l'idée de l'hôtel. Un hôtel que tu ériges. Ok, ma mère est morte. Je prends en charge d'aider quelqu'un à payer un an de loyer peut-être pour son orphelinat. Ce qui fait qu'on va enlever de la rue 20 enfants, leur vie seront changées, leur avenir sera changé à jamais à cause de la mort de ma mère. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Le diable veut te distraire et te faire être égoïste et te retourner sur toi-même. Voilà ce qu'on m'a fait. Vraiment. Oh, moi. Maintenant, si tu tournes le moi là, Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Supposons même que la mort de ta mère, là, c'est quelqu'un qui a empoisonné les mortes. On a prévu de te toucher à travers la mort de ta mère, de ton enfant, de ton mari, je ne sais pas. Écoutez encore bien ce passage, que ça ait du sens dans votre vie. Vous avez médité de me faire du mal et vous avez agi dessus. Dieu l'a changé en bien. Je viens changer tout événement négatif de votre vie en bien. Je déclare que les gens vont remercier Dieu pour ta douleur. Aujourd'hui, quand ils sont dit, ah Seigneur, merci, comme on a rejeté Joseph. Hey, Seigneur, merci d'avoir, comme on avait vendu Joseph. Ça, c'est après. Je déclare que toute douleur qui te ronge, même si ça te ronge encore actuellement, je transforme cela en bien pour beaucoup de personnes. Dorian, je pensais comme toi. Hein. Quand ma mère est morte, ça ne m'a pas fait mal. Hein. J'ai perdu ma grand-mère après ma mère. Et au fil des années, j'ai perdu. Après, j'ai perdu ma tante. J'ai vécu avec ma tante. En l'espace de 3 semaines, elle n'est pas à l'hôpital. Tac, 3 semaines plus tard, cancer, comme ça, là, elle meurt. Mais mon esprit était toujours. Jusqu'à ce que récemment, je perde quelqu'un d'autre. Et que tout ça là, tout ça là. Tout ça là, ça, c'est parti au champ. L'ennemi va toujours chercher un coin. Il va chercher un connard.
il va venir pour essayer de déposer. Ça peut être une rupture. Tu avais un homme, après vous vous séparez, ça te fait tellement mal. Parfois, tu ne comprends même pas toi-même. Ça te fait mal. On donne le téléphone, tu dis que peut-être elle va encore partir avec son marché. Ça te fait tellement mal. Tu ne comprends pas. L'ennemi cherchera une forme quelconque de douleur pour vous atteindre. Maintenant, ce que je veux que vous puissiez tirer, l'idée générale que j'ai de ça. Et je dis ceci. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si vous laissez Dieu le faire, les douleurs de votre vie se transforment en des armes ou en des ponts qui vont ou encore en une torche de lumière qui va venir éclairer la vie de beaucoup de personnes. Vous me suivez un peu, non? Donc je continue le psaume 23. Il restaure mon âme. C'est Dieu qui te guérit. L'âme, c'est là où tu as tes émotions. Tu as tes feelings. Ok, je me sens heureuse, j'ai de l'espoir, je suis découragée, je suis triste. C'est dans ton âme. La Bible dit, il restaure mon âme. C'est Dieu qui restaure ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. En fait, ce sommet, il y a des jours, je reste dans un regard et dis, ah, en fait, je suis qu'une marionnette, en fait. Je suis juste conduite. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée, là, ça, tu vas rencontrer ça. Chanceline, la reine Chanceline, bonjour. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous voyez que tout ça, c'est Dieu qui fait, non? Vois un peu comme si tu as les serviteurs. On restaure ton âme. On te fait t'asseoir. On met la table devant toi. On met la nourriture dessus. On amène encore tes ennemis. On les fait asseoir en face de toi. On dit, regardez, Jocelyne. En fait, tu n'es que dans une... Tu es dans un film. Tu as compris? Donc ne t'en fais pas. God has your back. Dans la dimension où tu te trouves maintenant, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Reçois cela. Tu vas habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Reçois cela. Amen. Tu es en train d'être fortifié. Tu me suis. Tu es en train d'être fortifié. N'aie pas peur. Et ce que tu craignais avant, c'était un sorcier. Ou tu craignais ceci. N'aie pas peur. Ils ne peuvent rien contre toi. Imaginez un peu Joseph en Égypte seul. Après, on le met premier ministre qui doit gérer tous ces gens-là. N'aie pas peur.
Cette douleur, c'est pour t'élever. Tu suis. C'est pour t'élever. Parce qu'il y a des postes, il y a des responsabilités que tu ne peux pas avoir. Il y a certaines douleurs qui viennent, ça casse même ta personnalité. Ça casse ton arrogance là. J'ai une connaissance que j'ai rencontrée, ça fait quelques mois, qui était très fière de lui. Genre, ce genre de personne que, ouais, non, on ne me fait pas ça, moi il ne peut pas accepter, on ne parle pas comme ça. Il est arrivé quelque part pour faire son travail. La personne lui dit que pourquoi il fasse ton travail? Tu dois aller, tu changes. Il avait fait une certaine coiffure qui n'était pas bien. La coiffure des yo. La personne qui devait travailler sur lui dit que va d'abord enlever tes cheveux là. Mais plutôt la coiffure. Je fais la coiffure comme tout le monde normal. Il sort de là, il dit, ah, ça veut dire quoi? Moi, je vais l'essayer. Après, il dit qu'il y a une inspiration divine qui est venue sur lui. Que c'est pour ton bien, non? Il est parti, il a fait ce que la personne a demandé, il est venu. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais quoi, tu es en train de mûrir. Il y a des responsabilités que Dieu ne peut pas te donner. Parfois, peut-être, tu dis, oh, je veux, Seigneur, donne-moi, amène-moi les gens, amène-moi les enfants spirituels, amène-moi, donne-moi les responsabilités, je veux me marier. Dieu va d'abord te tester. Tu vas traverser une certaine qualité de période. Tu vois comment ton humilité se remonte, tu deviens humble. Après, il te donne le mariage. Après, il te donne les enfants. Ou bien après, il t'amène les personnes maintenant qui seront comme tes enfants spirituels que tu vas guider. Parfois, il y a des choses qui doivent mourir en toi. Et on ne peut pas te forcer. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans le livre. Donc, parfois, la douleur même, c'est la grâce de Dieu. Certains parmi vous, parfois, vous avez été dans certaines relations où vous étiez tellement fiers de vous. Tu marchais avec la barbe comme ça. Dès qu'on te dit, Jocelyne, va te marier avant de venir me parler. Dieu te fait traverser une tempête. Il écroule tout ton manque que tu croyais que tu avais là. Tu te lèves un beau matin comme ça, il n'y a plus rien. Après, tu redescends sur terre. Tu redeviens maintenant toi. Moi, je suis arrivé en Bénin. Moi, je suis là. Oh. Il te fait descendre. Ça, c'est pour que tu prennes le niveau que tu as demandé dans tes prières. Parfois, la douleur, c'est la grâce de Dieu, ma chérie. Oui. Et surtout, la façon dont tu prends la douleur. Quand Job a eu sa douleur, Job ne s'est pas levé comme ça, dit, ah, Dieu, ah. Il n'est pas devenu aigri. Parce que Dieu casse quelque chose en toi. Après, tu t'assois. Tu mûris. Et cette maturité, c'est pour handle, c'est pour tenir, c'est pour supporter le poids qui est en train d'arriver. Parfois, tu vois quelqu'un, tu vois, il a une belle voiture. Oh Seigneur, je veux la Cayenne. Je veux la... Ma chérie, quand il y a une panne sur ça, c'est au moins 500 000. Les degrés que vous demandez là, ça vient avec. Il faut avoir la force pour supporter. Il y a certaines voitures que vous avez là-bas en Bénin que tu ne peux pas partir chez les petits mécaniciens. Tu pars qu'à la maison. Une pièce, 3000 euros. Je ne veux pas entrer dans votre part aujourd'hui. Je ne passe pas là-bas aujourd'hui. Hey, 3000 euros, le salaire de 2 mois de certaines personnes. Il y a des niveaux que vous avez demandé. Seigneur, je veux. Dieu est en train de te préparer. He's preparing you. Et il y a aussi ce truc que le Seigneur me dit, ça te permet aussi de comprendre les gens. Parce que parfois, il y a des choses que tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre. Bonjour, la reine Flore. Parfois, tu as l'impression que tu juges trop les gens. Ah, pourquoi il me parle comme ça? Ah. Tu traverses certaines choses.
La prochaine fois, tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, ah, je ne sais pas ce qu'elle a traversé ce matin. Je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. Attendons aussi pour voir. C'est ça le leadership. C'est ça le leadership. Un leader, c'est pas seulement qu'un leader a besoin de sagesse. Parfois, vous me voyez, ah, tu as tellement de sagesse qui sort de toi. Je vous dis toujours que, écoutez, si on vous donnait ma part de sagesse là, tu vas arriver à où tu vas dire que Seigneur, je veux sauter, je veux descendre. Pardon, ouvrez la portière, je sors. Pardon, ouvrez la portière, je sors. C'est même quoi? On conduit depuis, on n'arrive pas. Je suis assise sur les aiguilles, ça fait mal. Il y a les trous. Quand tu es dans le trou, ça balance. Donc, les aiguilles là entrent encore bien dans mon corps. Et... Oui, oui, refais une partie de la peinture. 10 000 euros, oui. Donc, l'esprit veut que tu comprennes que dans cette saison, il y aura une nouvelle qualité de douleur qui va venir. Le genre que tu n'avais pas encore connu avant. Genre, j'ai vécu tout le genre, tout ça, mais l'autre aussi est bizarre. Et ça ne parle pas, hein. Tu restes au milieu des gens, tu écoutes mes vidéos. Dès que tu éteins le téléphone, bien, tu vois Monsieur Douleur devant toi. Tu as fini. Reprenons là où on a commencé. Laissez ça, m'a laissé. Non, 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 non. Jesus. On ne peut pas te fuir. Quand tu arrives à battre l'autre là, et je veux aussi que vous compreniez que c'est en te soumettant. Écoutez, Jacques chapitre 4. Tant que tu vas laisser ton ego, la douleur là sera là. Jacques chapitre 4. Je sens comment quelqu'un est en train d'être. Tu es en train de comprendre. Tu vas t'asseoir, il va te regarder. Vous allez vous regarder. Regardez-vous. Ne le fuis plus. Jacques 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous avez suivi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu, décide-toi. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus avait, son âme était dans le tourment. L'âme de Jésus, ça veut dire que l'âme contient les émotions. Et la Bible dit que Jésus a sué. He was sweating drops of blood. Donc la sueur là, c'était le sang qui coulait. T'imagines, tu sues au degré où c'est le sang qui sort. Imagine un peu comment son âme était dans le désarroi. L'angoisse. Parce qu'il savait qu'il portait toutes nos infirmités. Ta sueur que tu devais venir prendre dans 2000 ans, c'est-à-dire maintenant, Jésus a pris ça, ça fait 2000 ans. Ta douleur là, les jours que tu passes dans ta chambre, tu ne veux pas sortir, tu vas voir quelqu'un là. Donne ça à Jésus, il a déjà porté ça. Jacques 4, versets 7 et 8. Je vous libère de toute douleur. Je vous libère de toute douleur. Je déclare que tout combat que vous menez avec votre... Tout esprit de dépression qui combat avec vous depuis des semaines. Quand vous écoutez ceci, je vous délivre. Je commande que ces mains, les mains de Satan soient enlevées de votre corps. Vous allez faire un lavage au sel. Mettez le sel dans de l'eau aujourd'hui pour vous laver. Et vous lisez le psaume 35 dessus. Et vous parlez, je me délivre de tout esprit de dépression, tout esprit de culpabilité. Je libère mon esprit de tout regret. Au nom de Jésus. Satan, je te commande d'enlever tes mains de l'esprit, de la tête des enfants de Dieu.
Josué 3, verset 2 à 5. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Je réprime au nom de l'Éternel tout démon dans votre vie, dans votre tête. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, qui a choisi Jocelyne. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Je viens ôter tout vêtement sale que l'ennemi a mis sur vous, tout esprit d'accusation. J'enlève votre iniquité et je vous revêt d'habits de fête. Je change le vêtement spirituel et physique sur vous. Je commande qu'on mette un turban pur sur votre tête et que l'ange de l'Éternel ne quitte pas votre présence. Amen. Je déclare que toute réponse à vos prières que l'ange a porté et il était descendu pour vous apporter et il était bloqué, peu importe que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième ciel, je commande sa libération pour qu'il arrive avec votre réponse aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous libère de tout endettement. Je vous libère de toute lourdeur. J'enlève les flèches qu'on a lancées sur votre cœur, toutes flèches sur votre poitrine, tout esprit de dépression. Je vous en libère. Au nom de Jésus. Amen. Congratulations, you have seen the glory of God. Vous ne connaîtrez plus jamais la tristesse. And you will come back with a new song to sing. My God is good. Oh. You will come back with a new song to sing. God is good. Oh. Congratulations. God is good. Voilà le couscous. Je vais manger le couscous. Devinez avec quelle sauce. J'ai fini. Moi, j'ai fini. Donc, moi, je n'ai pas mangé mon couscous. J'ai déjà mangé le couscous aujourd'hui. Donc, ne me faites pas le inbox pour me dire que bon appétit, reine. La reine Yvette, là. C'est ça que toi m'écris pour me dire bon appétit. Devinez la sauce. Devinez. Une sauce qui fait comme ça, là. Bon. Bye bye. Bonne journée à vous. Le roi Hervé, c'est la sauce jaune avec le gombo. Je vous souhaite une bonne journée. Mangez quelque chose qui vous plaît aujourd'hui. Ok? Que la joie, que ma joie vous contamine. Bye bye. Them say, them say, say. You can battle with the Lord. No, no, no. All changes mine about me. Bonne journée.